അവനെ അവനെ എന്നോട് ദോഷമുള്ള ഞാൻ പേഴ്സായിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ പോകും. C'est la première d'une série de conférences, en fait, qui va parler de cette œuvre, mais pas seulement de cette œuvre, mais des œuvres contemporaines qui articulent en fait la question de l'homme dans le paysage et de l'homme dans son milieu. Je pense que c'est le type d'œuvre qu'il faut absolument présenter aux familles, aux enfants, parce que c'est une œuvre qui d'une profonde humanité et qui évidemment parle de l'humanité et d'une humanité très, très plurielle. Il faut savoir que l'une des grandes innovations de l'art contemporain, parmi tant d'autres, il y en a une qui est vraiment une invention de la deuxième partie du XXe siècle, c'est l'installation. Qu'est-ce qu'une installation? C'est une œuvre transgenre, c'est une œuvre multimédia, c'est une œuvre qui a la particularité d'exister seule dans un espace et d'occuper l'espace. Alors, effectivement, on est devant une installation qui comporte divers éléments, donc c'est typiquement ce que l'on appelle un mixed media, hein, donc une installation mixed media, donc en art contemporain, c'est-à-dire un objet composite qui est destiné à vous faire partir ailleurs, à la rencontre d'un phénomène à la fois humain, géopolitique, historique, social, voilà. Alors, on va revenir sur les artistes maintenant. Ils vous montrent une île installée dans un grand salon qui est loin d'être anodin, et l'espace du grand salon fait partie de l'œuvre, comme fait partie de l'œuvre la vidéo. Le dispositif participe de l'embarquement vers ailleurs. Cette île, elle est située tout près du pôle Nord. Elle est située à 1500 km du pôle. Il a fallu un conflit et il a fallu une raison géopolitique pour que les gens habitent là. On a déporté 32 familles d'Inuits dans les années 50 pour revendiquer ce territoire aux Russes et aux Américains. Alors, la question de l'engagement est secondaire dans le travail de Louis Couturier et de Jacques-Georges Lafargue. Ils ne veulent pas vous dire que ces Inuits sont des victimes. Hein. Non, ce n'est pas ça qu'ils veulent vous dire. Ils veulent en tout cas autre chose. Ils veulent que la rencontre ait lieu entre eux et les Inuits en question, et vous et les Inuits en question, à la recherche de quelque chose qui vous unit tous, c'est-à-dire votre humanité avec un grand H. Pour que cette rencontre ait lieu et soit assez interactive, on a imaginé un dispositif qui est un site internet. Alors, le premier objectif du site, c'est de relier virtuellement quatre lieux. Le musée de Picardie, le musée de Moose Jaw, qui se trouve dans les plaines canadiennes, et le musée des Beaux-Arts de Montréal, dans lequel est montrée une troisième version de la pièce. Donc c'est un projet à la fois qui est très lié à l'homme, évidemment, qui est très lié à l'homme dans son milieu, qui est très lié à la question du paysage et de la perception qu'on en a. Dans les paysages de Halley, il y avait le macrocosme dans le microcosme. Il fallait que dans le paysage, il y ait tout. Et bien là, vous êtes à nouveau, la boucle est bouclée. Dans ce paysage-là, il y a tout. Il y a toute notre humanité, quoi. Avec toutes les questions qui se posent. Et vous allez certainement remarquer que, comme dans les poèmes, il y a énormément d'ellipses. Et dans les ellipses, qu'est-ce que vous faites, vous? Ben, vous mettez du sens. Et vous mettez du sens en fonction de ce que vous êtes, vous, et de la perception que vous allez, de la manière dont vous êtes touché par cette œuvre-là. C'est ça, une œuvre d'art.